Ok, on se retrouve pour une nouvelle session sur Resident Evil 2. Classique. En mode arrangé, scénario B est clair. Oh là, putain. Hop. Non, je vais voir ce que j'ai sur moi. Des rubans à briquet, un engrenage. Une clé trèfle que je ne sais même plus si elle doit me servir ou pas. Non, 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 non. Si, elle doit me servir encore une fois, la clé trèfle. Donc on est parti. On peut ranger ceci. Ah oui, par contre, oui, j'ai merdé, voilà. Pas mal. Est-ce que je garde ça? Oui, clé trèfle, je vais la garder. Ça, je peux le ranger. Enfin, je sais où ça va, mais j'y ai pas accès encore. Ça aussi, je sais. La fameuse pierre bleue, je sais pas du tout où ça se récupère, ça. Là, franchement, ça se trouve, c'est un truc que je vais passer complètement à côté des trucs machin. J'ai aucune idée, aucun souvenir de ces trucs-là. Donc, on verra dans la suite. Là, j'ai une mitraillette infinie, un lance-grenade inflammable et une clé trèfle. Je pense que je suis pas mal. Elle a la vie à fond, mais de toute façon, vu que je suis dans un mode de triche, elle a quasiment tout le temps la vie à fond. Par contre, la dame, voilà, il faut que je l'équipe. Merci. On y met comme ça. Et j'ignore totalement où il faut que j'aille. Il faut que j'aille à la cave. C'est par là. Hop. Alors, sachant qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire une grande session. Il est là, il est 16h tout pile. Ouais, on va dire que j'ai commencé il y a 2 minutes. Je vais peut-être aller jusqu'à 45 ou 50 et pas plus. Parce qu'en plus, c'est un jour de canicule. Alors, comme ma GameCube, comme je t'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, ma GameCube, elle est vieille. Et quand elle chauffe, elle a tendance à déconner. Alors, aujourd'hui, jour de canicule, machin, je vais pas tirer sur la corde. On va faire une petite session d'une heure, on va voir un peu le parking. Voir le parking. Bon, après, je sais qu'il y a le chenil, il y a la prison, mais comment ça se goupille, tout ça, j'ai plus trop souvenir, franchement. On va aller voir le journaliste. Il est peut-être déjà mort, le journaliste, hein, c'est possible. C'est possible qu'il soit mort. Bon, ça va, l'enregistrement a l'air d'être pas trop dégueulasse. Comme d'habitude, c'est beaucoup trop sombre. Mais encore une fois, je peux mettre plus de lumière, hein. Mais le problème, c'est qu'après, si je mets plus d'exposition, la moindre source de lumière du jeu, en fait, est beaucoup trop forte. Hop. Donc là, ça passe pas trop mal, je pense, quand même. Sachant que moi, mon jeu est beaucoup plus clair, hein, dans ce que je vois. Mais bon. Alors, normalement. Bonjour. Ici, c'est la morgue et c'est la dernière fois que j'aurai besoin de la trèfle. Salle d'autopsie. Utilisation, clé trèfle. Cette clé n'est plus utile. La jeter? Non. Nous entrons dans la morgue. J'ai aucune idée de ce qu'on va trouver. Enfin, des cadavres qui vont se réveiller. Hein. Mais quel objet allons-nous trouver? Ah, déjà. Bâtard. Il y en a un deuxième. Oh putain. Alors lui? Lui, il a failli me découper en tranches, lui. Lui, il a failli me découper en tranches. Ah, le boucan qu'elle fait, sa mitraillette, c'est un truc de fou, quoi. Ah, c'est sûr que tu ne dois pas être très discret. Ah, bon, c'est l'arme de base du mode de triche, quoi. Alors, est-ce que je récupère des trucs là-dedans? Carte rouge! Ah oui, ça va me permettre d'ouvrir la carte à la porte qui est à l'autre bout, je suppose. Ah, puis donc, en fait, là, en fait, il y a déjà les cadavres qui ont été sortis, donc il n'y a plus rien à récupérer. Ok. Salut les liqueurs de merde, bande de bâtards. Je vous déteste. On va voir, il y a quoi derrière la. Ah, c'est l'armurerie. Ah, il y a peut-être des trucs à récupérer. C'est peut-être là qu'on récupère l'arbalète. Ouais, je suis totalement prudent parce que je trouve comme un taré. Stock d'armes, c'est fermé électroniquement. Il y a un lecteur de cartes sur la gauche. Oui, ok, merde. Faut aller sur le lecteur. Le lecteur de cartes n'est pas activé. Ah, faut aller faire l'énigme. Oh là 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 là. Où que c'est longué. Où que c'est longué. Alors, voyons, allons faire l'énigme. Qu'est-ce qu'il faut faire ici?
Panneau de contrôle, réserve d'énergie. La réserve d'énergie peut être déviée vers des zones en sous-tension grâce aux 5 interrupteurs. Une surcharge risque de créer un court-circuit et de couper l'alimentation générale. Un interrupteur, l'actionner? Alors, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Faut actionner tous les interrupteurs sans que ça dépasse 80? Je crois. Ben non, parce que c'est débile. Parce que c'est facile. Oui. Alimentation faible. Bah, je n'en pense. Donc ça n'a pas marché. Ah, faut tomber pile sur 80 peut-être alors. Là, si je fais haut au dernier. Bim! Et hop, direct. Et ben voilà. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Le lecteur de cartes fonctionne. Ah, il est... Oh là là. Et maintenant, voilà, une porte, ouvrir une porte, tu rentres dans la porte, tu franchis la porte, tu refermes la porte. Oh là. Ah, c'est une porte vraiment balèze en plus, hein. Qu'allons-nous trouver là? Alors, déjà, on va voir l'autre côté. Voilà, merci. Des grenades. Prendre cartouche acide, il y a. Là, il y a quoi là? C'est une mitraillette. Bah, je l'ai en double après. Merde, j'ai fait le con. J'ai fait le con, mais c'est pas grave. Prendre balle pistolet, oui. Tu fais ça après, faut aller dans un coffre qui est pas hyper lent, puis je sauvegarderai parce que maintenant je sais que la GameCube peut sauter n'importe quand, vaut mieux prendre ses précautions. Et bah, dans mes souvenirs, c'est ici qu'on trouvait l'arbalète, mais ça doit être plus loin. Donc on va dire que j'ai fait le tour. Magazine, shield, bouclier. Ouais, magazine, je pense que c'est pas magazine de machin, c'est un magasin de chargeur en fait. Je pense que ça veut dire chargeur. Bon, on va plus qu'à aller à un coffre. Il y en a un qui est pas bien loin. J'ai fait le con de prendre la mitraillette en double. C'est débile, ça sert à rien. Sauf si elle pouvait prendre deux mitraillettes. Mais on n'est pas dans Véronica encore. On n'est pas dans Véronica encore. Boum boum. Il y a une échelle dans la bouche d'égout. Descendre par l'échelle? Oui. La salle de sauvegarde qui est pas loin. Hein? Oui, d'accord, elle est plus près encore que ce que je pensais. Donc, première chose à faire, sauvegarder. Mais non, d'accord, j'ai fait le con. C'est moi qui ai fait le con. Hop. Enfin, la chose à faire, le coffre. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Bon, bah, toi, non, c'est celle-là que je garde. C'est celle-là que je garde pas. On va mettre à la place du couteau. Ça, j'ai les grenades incendiaires. Oh, putain, ça commence à faire pas mal, là. 24. Les bullettes, les balles. Voilà. Le couteau, on va le trancher ailleurs. Hein. On va te mettre. On va te mettre là, puis toi on va te descendre d'un cran. Voilà. Oh putain, la valve au moment où on va me servir. Ah tiens, la clé aussi, j'en ai plus besoin. Donc voilà, alors. Pique, carreau, cœur.
Les trèfles, voilà, j'ai les 4 plaies, ça sert à rien, mais bon. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? On verra, je reviendrai. Pour l'instant, on va sauvegarder. J'ai 10 sauvegardes de... Je peux faire une sauvegarde ici. Utiliser un ruban ancreur, oui. Je vais finir par y aller dans ce fichu parking. Écraser les données sauvegardées. Ouais. C'est un truc de fou, hein. J'ai pas encore mis les pieds dans le parking. Allez hop. Salut. Et on est parti. Cette fois, on y go. On ne s'arrête pas avant le parking. Elle est où la petite chérie? Montez à l'échelle, oui. Chérie, je sais pas où les barrer, je sais pas où on la retrouve. Dans les égouts, certainement. Pam, pam. Cette fois, on est parti. On a tout fait. Seul truc qui manque, c'est la deuxième pierre bleue. Que j'ignore totalement où elle se trouve. Et si ça se trouve, comme je dis, je vais passer à côté. C'est pas grave. Allez, le parking. On est bon, on est chaud. Parking. Et là, la porte, elle est bloquée. Non, c'est bon. Ah, je suis censé retrouver Léon. Enfin, en passant par là. Alors, normalement, il y a un boss ici. Enfin, un boss. Ça a des chiens. Des bâtards que je vois pas. Je sais que t'es pas tout seul, gars. Une voiture de police, un fourgon. Bon, plein de voitures de bagnole, de flics. Les deux clefs sont morts. Y'a rien à fouiller dedans? Alors normalement par là il y a la sortie, voilà, ça je m'en souvenais. Impossible d'aller plus loin. Et là en fait ça rattrape la sortie qu'on voit quand on était au tout début du jeu. Herbe verte, oui. Ça me sert à rien mais je ramasse tout quand même. Y'a pas un autre truc à ramasser là dans les plots? Ah bah, je pensais qu'il y avait plus que ça à faire dans le parking. Il n'y a vraiment rien à faire, quoi. On fait juste le traverser. Bon, là, il y a un mur qui va péter, mais ça, c'est pour plus tard. Salut, les clébards. A dit quelque chose sur le chien? Non. Ok. Non, bah, ok. Il n'y a pas grand-chose. Et ben, on est parti pour les cellules. Ne nous attardons pas. Alors, donc, sur quoi on tombe là? J'en ai plus. Enfin, il y a un couloir, mais est-ce qu'il y a des zombies? C'est quoi ce bruit? Quel est ce bruit? Ah, d'accord. Oh putain, alors lui il est balèze. C'est un Doberman plus balèze que les autres. Parce que là, en fait, on va tomber sur le chenil. Le chenil qui est juste là, mais pour l'instant, on va pas y aller. Bon, il a plus de tête, donc je suppose qu'il bougera plus. Et là-bas, il y a le journaleux. Alors, déjà, apparemment, il y a un truc. Ah, voilà, ça, c'est la manip à l'ancienne. Ça a l'air d'être un truc photo, ouais, voilà. Prendre film. C'est quoi ce bouton? Un panneau pour activer la serrure. On dirait que le verrou est ouvert. D'accord, donc en fait, c'est Léon est déjà passé. Est-ce que le journaliste est encore en vie ou est-ce que le journaliste a déjà été explosé? Nous allons voir cela. Ah bah déjà, il me semble qu'il y a deux cellules. C'est ça, il y a deux cellules. Il est dans la cellule du fond. Donc on va explorer la première. Ouh, il y a du beau matériel par ici.
Une herbe bleue. Ça, faut toujours les garder, parce que alors ça, pour le coup, moi, je me fais toujours empoisonner dans les Resident Evil. Ça, j'y échappe jamais. Eh ben, il est déjà mort. Là, on récupère des arbalètes. Il y a quoi dans sa cellule? Normalement, il y a un gros que dalle. Bon, et bah voilà. On aura fait les cellules. On aura fait les cellules. Elle ne le rencontre pas. Enfin, elle le rencontre. Si, il est là, mais il ne le rencontre pas vivant. Du moins dans le scénario B. Et dans le scénario A non plus, à mon avis. Que c'est vrai qu'elle, pour l'instant, elle n'a pas du tout rencontré le père de Chérie. Elle. On va y rester que ça. Hein. Petite vérification. Ta 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 ta. Normalement, tout est PV. Et ça, faudra que je remonte tout là-haut, peut-être un jour. Parce que là, si je vais dans les égouts, le commissariat, on y revient ou pas plus tard? J'en sais rien du tout. Oh, déjà, après, je voulais faire ça aussi. Non, pour l'instant, on va voir. Je me souviens plus ce qu'il y a comme objet de l'autre côté. Il y a des chiens, il y a des chiens, chiens, ça c'est sûr qu'il y a des chiens, chiens. Bonjour, ça se trouve ils venaient pour une caresse, hein. Ça se trouve ils sont gentils, hein. Puis elle a tué les clébards, ils ont aucune raison d'attaquer peut-être. Hein. Parce qu'elle aime pas les chiens, Claire, elle aime pas les chiens, c'est comme ça. Dès qu'elle voit un chien, elle m'arrave. Quel est donc cet objet? Mon inventaire est plein. Salut toi! Ok, et ben voilà. Donc là, on est au bout. Et juste. Donc en fait, t'es pas du tout tout de suite les égouts. Elle peut entrer là ou pas? Merci. Oui, bon d'accord. On va éviter de vérifier ce qu'il y a dans le seau. Alors, nous en sommes là. Combiné. Voilà. Ce qui me fait de la place pour prendre la manivelle carrée. Et maintenant que je suis tout en bas, je ne peux pas être plus loin que tout en bas. Il faut que je remonte tout en haut. Et ben on est parti. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faudra que je trouve un coffre en route. Et à mon avis, Mister X va être sur le chemin. À mon avis, Mister X va être sur le chemin. Prudence, prudence, prudence. Là, la manivelle carrée, c'est pour tout en haut. Alors, je vais voir. Normalement, j'ai accès jusque tout en haut. Bah oui, vu que j'ai ouvert toutes les portes. Ah, je suis sûr qu'il a, il va y avoir des ennemis. Un coffre, un coffre, un coffre. Comme je vais pas retourner là-bas, parce que je vais pas non plus me rallonger pendant 2000 ans. Là, on revient au commissariat. Enfin, on est toujours dans le commissariat, sauf que là, on est dans le sous-sol. Là, il va débarquer, je sais pas où. Je vais me le prendre dans la gueule, dans un coin. Là, c'est sûr qu'il va débarquer. Ah, alors. Qu'est-ce qui serait le plus intelligent? On va tenter comme ça. J'ai juste besoin d'un coffre, je vais pas sauvegarder. On va aller prendre le coffre et dans la petite salle d'attente de l'autre côté. Si ça plante, eh ben tant pis. Je prends le risque. De toute façon, c'est tout ce que je vais faire. Je vais voir ce que ça débloque, les trucs en haut, là-haut. La manivelle carrée.
Non, ça débloque un passage, il me semble. Pareil, Mister X, dans mon esprit, il était beaucoup plus chiant. Pour l'instant, je l'ai vu que deux fois. Alors, il est chiant sur la fin, hein, quand il se transforme. Là, il est méga chiant, c'est sûr. Ah, faudrait que j'aille là aussi. Ah, bon, ok, bon, faut que j'aille là-bas. T'as fait un truc de plus à faire. Mais ça, j'ai les trucs d'arbalète, mais j'ai même pas. Ok. Où est la salle photo? Putain, c'est à l'autre bout, ça. Que je m'en souvienne. Non, le labo photo, il est là. Le labo photo, il est là. Et après, si je monte. Non, après, ça me fait trop long. Après, il faut d'ailleurs la bibliothèque, toute façon. Et ben, on va faire ça. Il faut d'ailleurs labo photo. Donc, je prends la prochaine porte qui est là. C'est pas grave. Ah, il y a du monde là? Bon, il y a personne. Oh, c'est vrai qu'à l'époque c'était les coups des portes, c'était rigolo, mais là au bout d'un moment c'est vrai que ça devient lourdingue quoi. J'aimerais pouvoir passer les temps de chargement quoi. Parce que là, voilà. Tu fais que de passer de temps de chargement en temps de chargement en fait. Alors c'était rigolo, enfin c'était rigolo. À l'époque, je comprends. Oh putain, mais il y en a toujours ici des mecs, hein. Ta gueule! On va voir s'il y en a d'autres avec ce superbe plan qui fait bien chier. Bon, t'es pas mort déjà, si t'es mort, t'es mort. Non, madame. Tout ça pour les développer une photo. Ah oui, voilà, comme d'habitude, c'est dans l'autre sens qu'il faut faire. Utiliser. Ah d'accord, un tyran. Ah merde, ça veut dire qu'il va arriver. Le T103. D'accord. Je sauvegarde ou pas? Non. Je fais une connerie si je sauvegarde pas, à mon avis. À mon avis, là, je fais une connerie de pas sauvegarder. Où que je passe maintenant? Il faut que je rattrape tout en haut. Il faut que je rattrape la bibliothèque. La bibliothèque qui est juste là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, on va reprendre le chemin à l'envers. On va reprendre le chemin à l'envers. On va aller à la bibliothèque. On va aller au dernier étage. On va aller activer le truc avec la clé carrée. On va voir ce que ça donne. La porte. Tu la vois pas la porte? Voilà, merci. Oh, la zic angoissante quand tu rentres dans cette pièce. Hop, bibliothèque. Je loupe toujours cette échelle. Prendre l'échelle, oui. On monte. Alors, en espérant de ne pas tomber sur une mauvaise surprise comme la dernière fois. C'est bon.
Là, faut prendre la porte qui est là. Alors, je sais même plus c'est où, c'est là. Ça se trouve, ah, ça se trouve, ça va pas du tout être ça. Si c'est bon. Putain, parce que il y avait un trou carré avec une manivelle en bout carré. Donc je me disais que c'était ça. Mais, je la garde. Ah d'accord, mais elle garde pas la manivelle, donc elle servait qu'à ça. Ok. Alors là, je suis sûr que je vais avoir besoin d'un objet. C'est obligé. Va falloir que je retourne à un coffre. Ah bah il me faut l'engrenage. Logique. Bah il est logique, il est là. On dirait un interrupteur, l'actionner. Mais il manque un truc. Il me faut l'engrenage. Alors le coffre le plus près. Alors là pour le coup je vais sauvegarder. Parce que ça, je sens que ça va déclencher un boss ou un truc. Ça va déclencher un truc, le coup de mettre l'engrenage. Alors, le coffre le plus près. Le coffre le plus près. Donc, de toute façon, jusqu'ici, t'as pas le choix. T'es obligé d'aller jusqu'à les bibliothèques. Toute façon, des coffres dans le commissariat, il n'y en a pas 20 000 en même temps. T'as le labo photo. La salle d'attente en bas et la pièce en face. Et ben on va aller dans la pièce en face. Comme ça me permettra de sauvegarder en même temps. On va aller dans la pièce en face. Et il fait déjà 26. Ouais, j'aurais à peine le temps de faire ça, en fait, compte. Ça file à toute allure. Hein. Du coup aussi après l'autre manivelle, le briquet. Ah j'aurai de la mémoire, hein. Je me souviendrai à quel moment servent les objets. Hein. Mais honnêtement. J'ai quoi comme objet? Donc ça c'est ce qu'il me faut. Les trois cailloux qui vont dans le bureau, mais il me manque ça. Et la deuxième manivelle et les clés. Donc la manivelle là. La manivelle doit servir dans les égouts, il me semble. Et j'ai dit sauvegardation. Une vieille machine à écrire. Je peux faire une sauvegarde ici. Utiliser un réseau encreur, oui. Par contre, alors par contre, on va ruser. On ne va pas sauvegarder sur la même partie. Claire B, 10e sauvegarde déjà. Salle d'attente. Et voilà. Allez, on est parti. On est parti, on va voir ce qu'on trouve. À fond les manettes. Allez, vas-y. De retour dans la bibliothèque.
Toucroute-clic. Oui, c'est l'horloge du commissariat qui est cassée depuis longtemps. Enfin, quoique, elle va la réparer là, si je me souviens bien. Allez, c'est parti! Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? D'accord, ça ouvre un chemin. Ah, mais il y a un caillou bleu là. Je l'ai vu. Par contre, il faut qu'elle tombe ou pas? Prendre pierre bleue, oui. Ah, d'accord, je croyais que c'était un tunnel. Elle en panne. Et ben voilà, donc on va aller faire ça là. Putain, faut que je retourne au coffre et au bureau du commissaire. Bah, c'est pas grave. C'est sur le chemin. C'est sur le chemin. Par contre, je sens que l'autre il va se pointer. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais. Faut être plus prudent. L'autre il va se pointer, je le sens bien. Et ben vous savez quoi? Mon gars. Hop, je t'attends. Que là en soi, c'est pas hyper. Ah, je le savais. Ah, venez pas me dire que je l'avais pas dit. Ah, puis en plus, il n'y a pas d'échappatoire là. Oh, putain, mais il est balèze cet enfoiré, ça le démonte pas ça? Ah, bah si. Putain, il a dû en foutre 4 dans la gueule. Putain, t'as intérêt de me donner un truc potable. Des grenades. Évidemment, j'ai pas de vie. Mais normalement, ça devrait aller jusqu'à la salle de sauvegarde où je peux récupérer plus d'herbes qu'il n'en faut. On va pas s'attarder quand même. Par contre, là, s'il revient, je suis cuit. Là, s'il revient, je suis baisé. Alors là, j'ai la dernière dernier couloir là. J'espère qu'il revient pas ici. Elle est juste au-dessus en fait. Putain, j'arrive plus à la faire marcher droit. Bon, j'avoue qu'elles m'ont déçu là, les grenades explosives. Elles m'ont beaucoup déçu. Alors ça va avec ça. Alors attends. Voilà. Et ça, on va prendre les autres caillasses. Maintenant, on fait un tour dans l'inventaire. Ça, tu me le combines avec ça. Ah, mais d'accord, ça prend direct les 24. Eh bah, très bien. Ça, tu me le combines avec ça. Et ça, je le range dans le duralingue. Et j'ai oublié de la soigner. C'est quoi ça? Non, ça faut que je le garde absolument, ça, machin. Vais juste prendre une arme verte, on va voir ce que ça fait. Ah bah d'accord. Ah, j'étais vraiment cuit, quoi. Il a vraiment démonté la gueule. Oui, s'il te plaît. Voilà. Bon, j'aurais dû faire un mélange de trois herbes là, de base, mais c'est pas grave. Alors là, on va au bureau du commissaire. J'ai combiné les pierres bleues? Je sais même plus. Il me semble que oui.
Putain, je sens qu'il va revenir encore. Bon. Et ben voilà. J'aurais récupéré toutes les pierres bleues. Oh, mais la petite! Putain, elle m'a fait flipper. À chaque fois, elle vient se planquer dans le bureau du commissaire, en fait. À chaque fois, elle vient se planquer là, en fait. Bon, allez, viens, gamine. Attends, si je lui parle, elle a dit quelque chose. Cherry Birkin a dit que dalle. Bon, bah là, on est parti pour utiliser les pierres. Mais pourquoi il y a un truc à steak derrière? Enfin, c'est bizarre. D'accord. Tu viens, la petite? Allez, viens, petite. On est parti. Quel est cet objet? Courrier au capitaine. Ryan Arnold, capitaine de police de Raccoon. Suite à l'action terroriste du dissident Albert Wesker, le labo du manoir n'est plus utilisable. Toutefois, son acte ne devrait pas avoir de conséquences graves sur les recherches du virus. En revanche, les survivants du STARS représentent une grave menace. S'il apparaît que les agents Redfield, Valentine, Burton, Chambers et Vickers sont au courant de nos activités, il est impératif de les éliminer de manière accidentelle. Bon, Vickers, il est déjà mort, c'est Brad. Puis bah, les autres, non, les autres s'en sortiront. Continuez à les surveiller et assurez-vous qu'ils ne communiquent pas leurs informations à la presse. Annette restera votre intermédiaire dans cette affaire. William Birkin. Ah ben, c'est son père, la petite. Comme convenu, j'ai pris soin de transférer la somme de 10 000 dollars sur votre compte, suite au service rendu. L'élaboration du virus G qui remplacera le virus T est presque terminée. Je pense être nommé au conseil d'administration d'Umbrella. Une fois la production du virus lancée. Une seule ombre au tableau, la présence de Redfield et des autres membres du STARS qui refusent de lâcher la tête. Je compte sur vous pour bloquer cette enquête et les empêcher d'infiltrer notre centre de recherche souterrain. C'est là qu'on entend parler du labo. Nous avons un problème. On m'a informé que la direction générale d'Umbrella a envoyé des espions pour s'emparer de mes travaux sur le virus G. Le nombre de ces agents est inconnu. Il n'est pas question que je les laisse s'emparer du travail de toute une vie, fouiller chaque recoin de cette ville. Ne négligez aucune piste. Éliminez au plus vite le danger que représentent des espions et amenez-moi et tenez-moi au courant via Annette. Personne ne voudra mes recherches sur le virus G, pas même Umbrella. Ok. Donc là, en fait, c'est vraiment juste avant le début du jeu, quoi. Tu viens, gamine? Et donc là, on arrive dans l'ascenseur. Et alors là... Bah oui, et bah prends-le. Ah, je croyais qu'elle venait. D'accord. En même temps, le bureau du capitaine, il a pas l'air d'être... Il a l'air d'être plus ou moins sécure, quoi. Vaut mieux qu'elle reste là. On tombe sur quoi, là? D'accord, donc là en fait le truc d'arme il est juste derrière. Là le récupérer l'autre mitraillette c'est juste derrière ce mur. Et là j'ai aucune idée sur quoi je vais tomber. Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, cinématique apparemment. So you've made it this far. Not bad, girl. I'm not letting anyone leave my town. Everyone's gonna die. Vous devez tous mourir. G-virus. What is it?
Cherry? Sharon, isn't it? In case you haven't already figured it out, the monster that's been tearing my precinct apart is yet another product of the G-Bars. Ultimate bio. Vous faites c'est William Birkin. Il est là, William. William! Je sais plus comment ça se passe, mais il me semble qu'il se fait choper par la... Voilà. Il s'est fait découper en deux. Ok. Des grenades. Ah putain, à mon avis, il fallait prendre le lance-grenade. Mais ça se trouve, je l'ai le lance-grenade. Oui putain, j'ai bien fait de le prendre le lance-grenade je pense. C'est plutôt effrayant. Ça doit être là qu'on rencontre, ça doit être le boss, ça m'a des crânes. Formol, chloroforme et d'autres produits. Le crocodile, ah d'accord ça ramène. Bon on est parti, de toute façon on n'a pas le choix. Ça va monsieur, vous allez bien? Bah, au revoir, commissaire Irons. Quant à nous, il faut qu'on descende. Une échelle. L'utiliser pour descendre? Oui. Il y a un cadavre qui vient de sortir d'ici, découpé en deux. Mais elle a pas peur, Clary Field, elle a pas peur. Elle descend. Ah oui, ok, donc c'est bien là. Je suis où là? Je me vois même pas sur... Ah bah d'accord, c'est la pièce rouge. Ta 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 ta. On prend le lance-grenade. Est-ce que je peux combiner? Oh putain, vas-y, prends-moi ça. J'ai pas la moindre idée de sur ce quoi je vais tomber là. Enfin si, normalement c'est Birkin, mais est-ce que c'est maintenant? Oui, c'est maintenant. Ah, il arrache la barre, si je me souviens bien. Oui, voilà. Ah, il se transforme. Voilà, avec l'œil. Oh, bien joué. Mais en plein dessus, quoi. Ah, oh, bah il m'a tué. Comme ça. J'ai joué comme une la merde. Ah mais c'est bon hein. Ah il va retaper encore. Vous êtes mort. Bon bah on vient au niveau de la sauvegarde. Il est quelle heure? 42, on va retenter notre fois. J'en ai parti. Putain j'espère que j'ai sauvegardé il n'y a pas longtemps là. Oui il me semble que j'avais sauvegardé justement le slot 6. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, mais d'accord. Ah, je suis vachement loin en fait. Ça, ça va là. Alors là, je vais rencontrer le T-1000 de merde. Qu'est-ce que je peux prendre comme arme? Est-ce que j'ai besoin d'autre chose que ça? J'ai pris l'engrenage de l'engrenage. Faut que je retourne à la tour. Que je reprenne le machin, que je revienne, que je fasse. Il n'y a pas pour hyper longtemps, mais bon, ça me gave. Ça me gave, ça me gave. J'ai pas sauvegardé au bon endroit en fait. Donc on va faire ça en mode vite fait.
Merci. De toute façon, je vais devoir arrêter. Donc, je vais juste ça. Et puis finalement, Birkin, on va pas le tuer aujourd'hui. Tant pis, c'est pas grave. Je fais ça, l'aller-retour à la salle de sauvegarde, et je sauvegarde et finis sur ZD. On tentera Birkin plus tard. Alors, engrenage. Utiliser. Actionner? Oui. Le deuxième pierre bleue. Ah, par curiosité, je vais essayer la Gatling. Je pense que ça va pas être très efficace, hein, honnêtement. On va voir. On va voir ce que ça donne. Là, il arrive. Ce qui est vraiment chiant dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas le demi-tour. Et ça, c'est agaçant, quoi. Alors, attendez. Changer de visée, avancer à gauche, à droite, reculer, option, visée manuelle auto, ça change pas grand chose, enfin si, ça change tout le visée manuelle auto, mais alors d'accord, faut activer la porte vraiment pour qu'il vienne, d'accord. Ok, bon, si, ça a été plus efficace quand même. Et voilà. Bon, par contre, le Birkin. Alors, de toute façon, je vous dis, il faut que j'arrête. Là, ça fait déjà presque 50 minutes. Mais je peux pas enregistrer plus longtemps en fait. Je suis déjà là, je pousse déjà un peu loin. On va sauvegarder. Et comme je disais, Birkin, on s'en chargera plus tard. On prendra le matos nécessaire. Hop là, donc là il y a plein de matos à prendre. Donc pour le coup, elle, je vais la poser. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça, t'échanges contre ça. Là tu prends les cailloux. Un caillou. Deux cailloux. Trois cailloux. Tu sors. Inventaire. Boum boum boum. Ça combine. Avec ça, ça, tu combines avec ça, j'ai les trois cailloux, faut que je range les incendiaires, donc le coffre, ouais, merci, ça, je les range, ah merde, j'ai merdé, ça, ça va avec ça, voilà, et là, maintenant, les rubans. On va sauvegarder. Voilà, j'ai un peu trop sauvegardé aujourd'hui, je pense. Mais en même temps,
En fait, c'est la dernière sauvegarde que j'ai faite, elle n'était pas utile. Enfin, si, parce que ça m'a sauvé un peu la mise, mais j'aurais dû la faire plus tard, en fait. Et voilà. Et donc là, on va re-sauvegarder par-dessus celle-là. Et là, maintenant, je saurai que la prochaine étape, c'est William Birkin, qui m'a bien démonté la tronche. Il m'a bien démonté la tronche. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Il suffira de laisser défiler celle-là, normalement, puis vous tomberez sur la suivante. Moi, je vous dis à plus tard.